Bonjour à tous, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Recevez la paix, la joie, l'amour de la part de notre Seigneur. Que son amour remplisse nos cœurs, que sa joie déborde en nous. Car l'Éternel est vivant et il règne pour toujours. Amen. Est-ce que nous pouvons ensemble nous mettre debout et rendre grâce à Dieu qui nous réunit ce matin, l'Éternel qui nous fait grâce d'être en vie. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur. Merci Seigneur pour cette grâce immense que nous avons d'être dans ta présence, Seigneur. Merci car parmi ton peuple tu règnes, Seigneur. Parmi nous, ô Dieu, tu viens siéger au milieu des louanges, de l'adoration, Seigneur. Nous sommes dans ce lieu et nous sommes heureux d'être dans ta présence. Ô Éternel notre Dieu, qu'en ce jour tu sois élevé. Qu'en ce jour tu sois glorifié, qu'en ce jour tu sois exalté, Seigneur. Nos vies, nos cœurs sont à toi. Et nous sommes ici, Seigneur, pour ta gloire, pour ta louange, pour ton honneur, Seigneur. Reçois ce culte, Seigneur. Reçois-le comme un parfum de bonne odeur, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Alors nous allons nous réjouir dans le nom de notre Seigneur. Nous disons, comme le dit Chronique 29, verset 11, à toi Éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons. Et nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Pouvons acclamer le Seigneur. Nous allons ensemble le célébrer. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout, Seigneur. Nous élevons le nom, de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom, de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Encore une fois, nous proclamons sa victoire. Nous proclamons sa victoire. À lui honneur, puissance et gloire. Il a remporté le combat, la mort a perdu ses droits. Nous élevons le nom de Jésus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus, car c'est le nom du salut. Nous élevons le
toute autorité, c'est toi, Jésus. Nous élevons, nous élevons. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus, au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons. Nous élevons le nom de Jésus. Car c'est le nom du salut. Nous élevons le nom. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus de tout esprit méchant. C'est le nom du salut. Nous élevons tous ensemble, élevons le nom du Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus de tout, au-dessus de toutes nos forteresses, au-dessus de tous nos problèmes, nous élevons le nom de Jésus. Lui qui a triomphé à la croix, c'est Jésus notre Seigneur. Oui Seigneur, nous te bénissons ce jour de gloire. Sois élevé Seigneur notre Dieu, alléluia. C'est le jour du salut. Car c'est le nom, oui, nous élevons le nom. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus. Car c'est le nom du salut. Oui, nous élevons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus. Au-dessus. Au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus. Car c'est le nom du salut. 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 Alléluia. Oui Seigneur, ton nom est le nom du salut, le seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, nous proclamons ton règne dans ce lieu, ton autorité, ta délivrance, Jésus. Alléluia. Oui, notre ennemi a perdu. Le Seigneur, notre Dieu, a vaincu. À lui soit tout le pouvoir pour les siècles des siècles, Seigneur. Merci, Seigneur, de régner encore sur nous. Règne sur nos pensées, Seigneur. Règne sur nos attitudes. Règne sur nos paroles. Règne sur nous, Jésus. Alléluia, Seigneur. Que cette louange s'élève vers toi, Seigneur. Nous venons encore vers toi. Nous venons encore dans ta présence. Afin que ton règne soit complet en nous, Seigneur. Nous venons nous dépouiller de ce qui prend la place en nous. Et nous voulons que toi seul tu puisses régner. Toi seul. Mes bien-aimés, présentons-nous devant le Seigneur. Que son règne soit plein en nous. Alors, déposons nos fardeaux maintenant à ses pieds. Confessons nos péchés afin que nous soyons libres de tout. Seigneur, il n'y a que toi que nous voulons. Règne sur nous, règne, Seigneur. Reconnaissant, nous venons et nous reconnaissons nos fautes devant toi, nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardon, Seigneur, pardon. Viens lever nos...
nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Seigneur, nous croyons que tu nous pardonnes lorsque nous venons et nous confessons nos péchés, car ta parole nous le dit. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Seigneur, merci pour le pardon dans le nom de Jésus. Merci pour la délivrance dans le nom de Jésus. Merci parce que tu enlèves la culpabilité dans le nom de Jésus. Et nous sommes renouvelés, nous sommes transformés, nous sommes remplis de paix. Merci, Seigneur Jésus. Car tu nous as libérés, merci. Car tu nous as pardonnés, car tu nous as rachetés, Seigneur. Pardon, Seigneur. Alléluia. Merci. Tu es si bon pour nous, Jésus. Seigneur, tu es si bon pour nous. Tu es si bon, Seigneur. Oui, tu es le créateur de tout et nous avons tout par toi. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, ce n'est que toi, Seigneur. Et ce n'est que ta grâce sur nous. Merci, Seigneur, car il t'a plu de nous donner encore ton Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint qui nous conduit dans ta présence. Et qui nous enseigne à mieux te connaître, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore être remplis de toi. Mon bien-aimé, invite le Saint-Esprit à venir remplir ton cœur. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu. Cet endroit soit rempli de la présence de Dieu. Alors il faut que nous désirions, que chacun désire, que le Saint-Esprit vienne sur nous et il viendra sur nous. Je désire ta présence, Seigneur Jésus. Et tu viendras sur nous, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Descends, Seigneur, sur nous. Descends, Seigneur, sur nous. Et viens changer nos vies, Seigneur. Viens changer nos vies. Alléluia, Seigneur. Oh. Sur nous, descend, descend,
descends sur nous, Saint-Esprit. Bienfaisante de Dieu. Accueille la présence de Dieu. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur, de toi. Comme des flots, comme des torrents, Seigneur. Coule sur nous. Coule sur nous, Seigneur. Coule sur nous, Seigneur. Alléluia. Répands ton esprit sur nous, Jésus. Nous venons chercher ton cœur, Seigneur. Chercher, Seigneur, être encore plus près de toi. Tout près de ton cœur, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Reçois, Seigneur, tout le règne. Et nous venons alors maintenant aux pieds du Seigneur, jetant nos couronnes à ses pieds, afin que seul le Seigneur soit couronné de gloire. Jésus règne, règne, règne. Jésus. Alléluia. Nous
Nul autre nom
Seul peut nous préserver de toute chute. Alors nous lui rendons à lui honneur et gloire. Alléluia. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Tu
Il n'y a que Dieu devant moi.
Oh,
contre moi sera nulle et sans effet. C'est un grand Dieu qui vit en moi. Son nom est Jésus. Tout a forgé contre moi. Seigneur, à la croix. Et cette victoire que tu as acquise, tu nous l'as donnée gratuitement. Voilà pourquoi nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Nous n'avons pas eu à combattre le grand combat que toi tu as combattu, mais tu nous as donné cette victoire librement, gratuitement, Seigneur, pour nous. Mais cette victoire a coûté le prix de ta vie. Le prix de ton sang. Et nous voici, Seigneur, en ce temps, en ce moment, prêts à écouter, Seigneur, ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous venons recevoir ta parole. Nous sommes ici parce que nous croyons que tu es vivant et ressuscité, Seigneur. Nous croyons que tu as quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, nous ramenons toutes nos pensées dans ta présence maintenant. Toute forme de distraction soit chassée de ce lieu, dans le nom de Jésus. Nous venons recevoir cette parole, la parole qui donne le salut. Cette parole qui vient de toi, Seigneur. Réponds, Seigneur, ton esprit sur toute chair qui ouvre son cœur maintenant. Réponds, Seigneur, ton onction sur ta servante, Seigneur. Qu'elle soit qualifiée pour parler de ta part. Louange et honneur à toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous accueillons la parole de Dieu. Amen.
aura des textes parallèles. Alors, nous commençons par le premier texte dans Ésaïe, chapitre 53, les versets 6. Je vais me limiter au verset 8, puisque ce n'est pas notre parole de ce jour. Donc, Ésaïe 53, les versets 6 et à 8. Et ensuite, nous allons lire dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10. Merci pour le respect de la parole de Dieu. Et nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Nous arrêtons là. Nous allons dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 10, et nous lisons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste en Jésus-Christ afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci Seigneur pour ta parole. Que la paix de Dieu remplisse nos vies et nous laisse connecter à Christ. J'aimerais encore, parce que le dimanche passé, je n'ai pas eu l'occasion de vous parler, j'aimerais encore vous transmettre les salutations personnelles d'une servante de Dieu en République démocratique du Congo où j'étais. Elle m'a dit, il faut que l'Assemblée sache qu'il y a une assemblée qui s'appelle la lettre de Christ.
Et cette assemblée est à Bandal. Donc, l'une des assemblées de la fraternité, la lettre de Christ. J'ai voulu mettre leur t-shirt, mais en écrivant, ils ont commis une petite erreur. Au lieu d'écrire Christ, ils ont écrit Christus. Donc, S vient après. Donc, tous ceux qui te lisent vont voir que Christ est mal écrit. Alors, on a fait la remarque, mais c'est en retard. Les t-shirts sont déjà sortis, mais ils sont très beaux. Mais je ne sais pas comment remédier à ça. Bon, voilà. Mais elle m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, merci. Pour le cœur qui salue, en fait, cette servante du Seigneur, elle s'appelle Christine. C'est la pasteur maman qui dirige cette assemblée en République démocratique du Congo. Et moi, j'ai surnommé cette assemblée. En tout cas, c'est terrible. Hein. C'est une toute petite assemblée, mais qui est comme... vous voyez les piments là qui piquent très fort. Donc, il y a ces assemblées où les gens pensent qu'il faudrait qu'on soit à 100 pour qu'on soit puissant, mais ils sont moins que 100. Mais ils sont puissants. Ils sont puissants et ils aiment le Seigneur. Voilà, ça c'était une parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème. Et ce thème, je l'ai intitulé comme suit. Dois-je avoir honte de mon passé? Dois-je avoir honte de mon passé? Eh oui. Moi, j'ai dit, la réponse pour moi, c'est non. Non, je n'ai point honte de mon passé. Parce que tout ce que je viens de lire ici, surtout dans le Nouveau Testament, je suis sauvé par grâce. Christ s'est donné pour moi. Alors, pourquoi avoir honte? Si j'ai honte, c'est comme si je n'avais pas compris que Christ est mort à la croix pour mes péchés. Alors, je ne crois pas en cette parole et j'ai honte de mon passé. Je traîne encore mon passé. Pourtant, lui, il est venu pour prendre mon passé. Voilà pourquoi je n'ai pas honte. Je ne dois pas avoir honte de mon passé. Tout être humain a un passé, qu'il soit sombre ou glorieux, qu'il soit douloureux ou léger. Chacun de nous a un passé. Et quelquefois, nous les racontons. Ah oui, quand j'étais enfant, j'étais dans un village. Et d'autres qui diront, ah oui, moi, quand j'étais jeune, j'étais ivrogne. Et d'autres diront, je n'aimais même pas l'église. Voilà, ça c'est le passé. Le passé. Et ce que nous venons de lire ici dans Ésaïe chapitre 51, je voulais tirer seulement les versets 6. Les versets 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Je m'arrête là. Le reste de ces chapitres parle de notre Seigneur Jésus-Christ. De comment il devait venir dans ce monde. Comment il devait être transpercé pour vous et moi à cause de nos péchés. Ésaïe a prophétisé dès le temps ancien. Mais ces chapitres ne parlent pas seulement de Jésus, mais il parle aussi de nous, et premièrement d'Israël, en tant que peuple de Dieu. Israël était un peuple souvent un peu rebelle, je dirais. Rebelle, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont vu la main de Dieu, mais chaque fois ils abandonnaient les seigneurs pour suivre d'autres dieux. Et comme la parole le dit, chacun suivait sa propre voie.
À peine Dieu s'est manifesté à eux, quelques temps après, ils oubliaient la main de Dieu. Ils oubliaient la grâce de Dieu. Ils oubliaient les miracles qu'ils ont vécus. Et ça donnait à des dieux fabriqués par des mains d'hommes qui ont des mains et qui ne touchent pas, qui ont des yeux et qui ne voient pas, qui ont des pieds et qui ne marchent pas. Voilà pourquoi Esaïe parle maintenant à ce peuple. Et le Seigneur, vous le savez tout d'abord, qu'il est venu premièrement pour les Juifs. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Voilà pourquoi il s'est tourné vers nous, qu'on appelle païens, par sa grâce. Comme le dit Paul, vous êtes sauvés par grâce. Ce n'est pas à cause de nos œuvres que nous dépassons même Israël. Non, par grâce. Dieu nous a sauvés par son Fils. Donc là, on parle d'Israël. Ils marchaient dans des routes humaines. Ils oubliaient leur Dieu. Ils étaient errants. Ils ne savaient pas à quel saint se vouer. On parle d'Astarté. On parle de Baal. Et quand ils oubliaient Dieu, eh bien voilà, ils servaient ces dieux-là étrangers. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, waouh, les verbes se trouvent à l'imparfait. Nous étions tous errants. Nous étions, le verbe n'est pas au présent, nous sommes errants. Non, nous étions. Donc dans le passé, nous étions errants. Et maintenant, je ne le suis pas. Maintenant, nous ne le sommes pas. Et cela est similaire. Quand je parle d'Israël, cela est similaire aussi à la vie que nous menons, nous, en tant que chrétiens. Avant, nous étions perdus. Avant, nous étions errants. Chacun de nous suivait sa propre voie. Nous étions morts au péché, nous dit Paul, parle aux Éphésiens. Vous étiez morts au péché. Et vous viviez selon les lois de ce monde, les lois de la nature. Votre conduite était dictée par les désirs de notre nature. Mais quand Dieu, dans son infinie bonté, a vu qu'il pouvait sauver le monde, il a envoyé son Fils. Et nous ne sommes plus errants. Nous ne sommes plus errants. Nous ne pouvons pas nous vouer à n'importe quel Dieu. Et nous n'avons qu'un seul Dieu, l'Éternel des armées. Amen. Hein? Et nous avons un seul Sauveur qu'on appelle Jésus-Christ. Le seul. Le seul. Nous ne sommes plus errants. Christ a manifesté son amour. Alors, pourquoi avoir honte de notre passé? Si Christ s'est donné pour nous, il dit qu'il a pris nos péchés. Donc, il a tout pris. Et tes péchés passés, tes péchés présents, tes péchés futurs, il a pris ça. Et il a porté ça sur la croix. Lui qui n'était pas pécheur s'est rendu pécheur à cause de nous pour que nous, nous soyons libres. 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 Hey. Oui, plus que vainqueur. Je suis héritière du royaume rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom, celui-là qui m'a racheté. Je louerai son nom, celui qui s'est donné pour moi. Je ne vis pas dans le passé.
Je vis au présent. Je vis au présent, puisqu'il m'a racheté. Si le passé traîne encore, c'est pour dire que nous n'avons pas compris que Christ est mort, il est ressuscité, et qu'il a pris ses péchés, qu'il a pris ses passés, et qu'il l'a effacé. Il a effacé ton passé. Il a effacé. Le Seigneur n'agit pas comme nous. Nous, souvent, nous agissons mal. Quand il y a quelque chose qui passe, on prend même celui qu'on appelle le marqueur permanent. C'est celui qui ne s'efface pas. Il y a un autre qu'on appelle non permanent. Quand vous mettez un peu, ça part. Mais souvent, nous, nous avons les marqueurs permanents. Ce que nous avons gravé, ça reste dans notre cœur. Et on grince les dents. On grince, mais Christ, lui, il a pris ton péché. Il a pris ton passé. Le passé n'est pas seulement le passé de 20 ans. Le passé n'est pas seulement le passé de 40 ans. Le passé n'est pas seulement le passé de 50 ou 5 ans. Le passé peut être aussi le passé d'hier. Ce que tu as fait hier et que Dieu n'a pas agréé. Mais puisque tu as confessé, puisque Christ est mort pour ton péché, alors, tu es réellement libre. Libre. Je ne dois pas avoir honte du passé, puisque je sais que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas de réserve pour parler à mon Père. J'ai péché. Pardonne-moi. Et lui, il efface. Il efface. Et il ne garde pas cela dans son livre de vie. Il efface. Je ne veux pas que les gens portent la culpabilité jour après jour, qu'ils gémissent. Oui, si vous me voyez comme ça, c'est puisque dans ma famille, il y a ceci ou cela. C'est puisque dans notre lignée, en tout cas, nous, on n'accouche pas. C'est puisque dans notre lignée, nous ne nous marions pas. C'est puisque dans notre famille, mon oncle a dit ceci. Ça, c'est le passé. Le passé est passé. Le passé est passé. Et Christ a pris ça sur la croix. Pourquoi nous devons glorifier encore ce passé? Toi qui es en Christ, tu te dis, je suis en Christ. N'est-ce pas vous qui dites, vous lisez la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est quoi? Il est qui? Mais voilà, toute l'assemblée vous le dites. Il est une nouvelle créature. Donc, vous avez été créé par Jésus. Créé. Il n'y a pas d'oncle qui vient vous créer. Pas votre oncle, pas votre tante, pas votre père qui est entré, puisque je suis en Christ et je suis une nouvelle créature. Je n'ai pas honte de parler aussi de ce passé. Avant que je ne connaisse le Seigneur, j'étais enchaîné par des liens. Il ne faut pas avoir honte de les dire, puisque vous allez sauver des âmes. Vous allez sauver des âmes. Jésus-Christ sauve encore. Il y a des gens qui sont encore liés aujourd'hui, puisque vous ne parlez pas de votre passé. Vous avez honte de les dire. Non, n'ayez pas honte de votre passé. N'ayez pas honte de votre passé. Il faut les témoigner, puisque Jésus-Christ vous a libéré. Ah oui. Vous pouvez même témoigner si vous étiez voleuse dans des étalages. Vous pouvez même témoigner que vraiment, vous, personne ne pouvait vous approcher, puisque là où vous étiez, c'était le feu. Aussi, donc, touche pas, sinon tu vas te mettre une tache. C'est ça que disent les Congolais. Alors, vous pouvez témoigner de ça. Dieu a changé mon caractère, mon comportement, pour que celui que le diable détient captif sache que c'est le Seigneur qui sauve et qui change. N'ayez pas honte de votre passé.
Ça, c'est le diable qui fait ça pour que les autres ne viennent pas au Seigneur. Et il vous donne un semblant de honte. Ne dis pas. Si tu dis ça, eh ben, ils vont dire, waouh, elle était ainsi. Il était ainsi. Si quelqu'un va raconter mal ton passé, tranquillise-toi. Dieu se chargera de lui. Dieu se chargera de lui. Toi, tu témoignes pour que les autres soient sauvés. Mais celui qui va à côté pour aller calomnier, pour aller médire, pour prendre ton passé et faire de ça toute une histoire de blablabla, Dieu se servira de lui. Il sait ce que Dieu va faire de lui. Mais toi, tranquillise-toi. Dois-je avoir honte de mon passé? Non. J'ai dit non. Nous ne devons pas avoir honte. Nous avons reçu une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Mais il y a une chose. Quand nous avons reçu cette vie nouvelle, nous ne devons pas retourner dans l'ancienne. Même si nous sommes sauvés. Ne dites pas, non, je suis sauvé. Mais non, je peux encore faire ce que je faisais. Non, interdiction formelle. Nous allons de l'avant. On nous dit de ne pas regarder en arrière. Nous avançons. Et celui qui s'est retourné pour regarder là où Dieu a dit ne regardez pas est devenu statue de sel. Vous connaissez la dame, la femme de Lot. Ne reprends pas les mauvaises habitudes que nous avons laissées. Je continue mon message. Même si vous êtes libérés, même si votre passé a été nettoyé, mais sachez ceci, nous sommes dans un monde qui bouillonne. Nous sommes dans un monde, moi j'appelle ça, nous vivons chaque jour le cyclone. Ça tourne. Alors qu'est-ce qui arrive? Vous pouvez connaître des moments difficiles, vous pouvez connaître des épreuves, vous pouvez connaître la tentation, vous pouvez connaître tant d'épreuves possibles. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pendant ces moments difficiles? Il faut recourir à notre Dieu. Je n'ai pas dit que puisque vous avez été libéré de votre passé, c'est fini, que vous ne connaîtrez pas de difficultés. Pas du tout. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Je ne reviens pas sur les choses passées. Mon passé ne doit pas être encore un poids, puisque le Seigneur l'a pris. Et il a payé les prix de votre sombre passé. Le Seigneur a payé les prix. J'avais dit, de vos péchés passés, présents et futurs. Donc si vous traînez le passé, vous détruisez le présent. Et il y a l'handicap pour le futur, puisque vous traînez toujours votre passé. Je vais vous parler après. Ce qui nous est recommandé, nous, qui sommes en Christ, ayant un passé lourd, ou même, je ne sais même pas, lumineux ou quoi, ce qui nous est recommandé dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, c'est de plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Tu connais ton passé. Tu sais ce que tu étais ou tu fus. Mais alors, aujourd'hui, il faut plaire à Dieu. Marche dans la sanctification. La sanctification. Votre passé doit être une force et non pas une faiblesse. Ça doit être une force. Puisque Dieu vous a libéré, grâce à cela, vous pouvez devenir évangéliste. En fait, évangéliste ne signifie pas seulement ce qu'on consacre évangéliste. Vous êtes là, le fait de parler de Christ, vous évangélisez les autres. Apportez la bonne nouvelle. Je disais que ça soit une force pour mieux servir. Votre passé doit être une force pour mieux servir Christ et non pas une faiblesse.
Si je suis comme ça, c'est puisque les Belges ont vu que je suis venu de tel pays d'Afrique. Et alors, si vous êtes venu d'Afrique, et alors maintenant vous êtes ici, quel est le problème? Êtes-vous en Christ ou pas? Quelquefois, nous-mêmes, nous nous proclamons comme étant des enfants de Dieu, mais nous ne voulons pas vivre la parole. La parole, nous la récitons, mais nous ne voulons pas la vivre. On ne veut pas la vivre. Il faut qu'on vive la parole de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Donc, ce que Dieu a prévu pour les autres, c'est aussi pour moi. Pourquoi ça doit être seulement pour l'autre et pas moi? Mais c'est puisque nous récitons la parole et nous ne voulons pas la vivre. Comment quelqu'un peut être enfant d'un Condé et ne bénéficie pas de ce que papa Condé fait dans la maison? Posez-vous la question. Comment possible que j'aie des enfants et ne doive pas bénéficier de mes services et tout, de tout ce que j'ai dans ma maison? Et les enfants sont là, comme s'ils n'avaient pas de mère. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. C'est comme ça que nous nous comportons en tant que chrétiens. La parole est à nous, elle nous est prêchée, mais nous vivons comme si nous étions étrangers à la parole. Étrangers à la parole, on ne veut pas la mettre en pratique. Vous me suivez? Amen. Ah. Je vais remettre mes lunettes. Parce que je vois que vous êtes là. Quelque chose vous arrive aujourd'hui. Je vais vous réveiller. C'est le passé. On traîne trop le passé d'une manière ou d'une autre. Même d'une manière inconsciente. On traîne son passé. On a même honte. Attendez, la honte, je vais vous dire, la honte, c'est une émotion. C'est universel, tout le monde peut avoir honte. C'est une émotion universelle. Mais, elle est dévastatrice. La honte est dévastatrice. Elle est aussi affaiblissante. Vous ne pouvez rien faire quand vous avez honte. On te dit, va étudier. Va te faire inscrire, va travailler. Tu commences à calculer, j'ai quel âge? Je dois aller m'asseoir avec ces gosses qui sont là. Moi, à mon âge, aller m'asseoir. Et puis ils vont commencer à me demander, t'as quel âge? Voilà la honte. Elle t'affaiblit et tu ne vas pas avancer. Elle écrase. Retourner encore sur le banc de l'école. Waouh! Il y a des enseignements. Et qui? Des jeunes. Ah ben, j'ai 60 ans. Je dois aller m'asseoir avec cette jeunesse-là. Eh ben, vous n'allez pas évoluer. Puisque vous avez honte. Moi, j'ai connu quelqu'un dans ma vie qui a refusé de se faire baptiser. Puisqu'il ne voulait pas se faire baptiser avec des enfants. Allez, ah non, pas question. Moi, je ne peux pas me faire baptiser avec ces gosses. J'ai 50 ans. Ils n'en ont que 15, 10, 20. Et moi, je dois me faire baptiser les mêmes jours avec eux. Mais ce n'est pas ton affaire, c'est l'affaire de Dieu. C'est ton salut. Il n'y a pas à regarder les enfants et toi. Voilà ce que fait la honte. La honte. Elle est là, en nous, mais elle est dévastatrice. Attention, je viens vous parler, vous qui avez honte de votre passé, sachez que Jésus-Christ est mort pour ça. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Ne calculez pas pour aller étudier. Nous voulons les gens qui travaillent. Oh, on m'a dit la semaine passée qu'il y a des entrepreneurs et j'ai vu des gens qui se sont levés ici. Waouh, quelle foule énorme. J'ai dit, oh,
ce sont des entrepreneurs. Tous ceux qui se sont levés. Alors, notre église est riche. Notre église est riche. Mais, quand vous allez rencontrer la diversité, ne reculez pas. Ne reculez pas. Parce que ça ne va pas rouler sur de l'or. Quand on va vous demander tel papier, on dit non, mais enfin, je pensais que j'allais commencer. Eh non, en Belgique, on aime les papiers. Les papiers. Papier, ce mot-là, je l'ai entendu dès que je suis arrivée. Les papiers. Je dis, mais les papiers, c'est ça, les papiers. Mais c'est quoi les papiers? Papier. Que l'enfant naisse, papier. Qu'on se marie, papier. On aime les papiers en Belgique. C'est pas pour ça que vous devez reculer. Vous ne devez pas avoir honte. Oui, mais dans le temps, c'est souvent mon père qui faisait des choses pour moi. À l'époque, moi-même, pour aller me faire inscrire, c'est ma mère qui m'accompagnait. C'est le passé. Aujourd'hui, c'est le présent. Alors, si c'est ton père, si c'est ta mère qui le faisait, maintenant c'est vous, toi-même. Vas-y, lève-toi. Lève-toi. Ne reste pas là toujours dans ton passé. Le passé, oncle va nous dire ça. Oncle, prépare-toi, puisque tu vas leur dire comment ils vont quitter le passé. Prépare-toi. Il ne faut pas ruminer le passé. Quand nous ruminons le passé, il détruit l'avenir. Moi, j'étais un enfant mal aimé. Mais Christ est venu et t'a prouvé son amour. Alors, tu es aimé de Dieu. D'ailleurs, cet amour-là de Dieu, c'est plus que l'amour d'un parent. Contente-toi. Je suis aimé de Dieu. Je marche, je suis seul. Je revenais de la République démocratique du Congo. J'ai ma sœur, celle qui vient avant moi, la seule qui est là. Quand elle me voit, quand elle m'embrasse, en fait, j'ai toujours lu sur son visage. Je suis toujours comme ça. Comme elle m'a connue petite. Et puis, elle me touche partout. Tu vas bien? Ça va? Je dis, mais je suis grand-mère. Je suis grand-mère. Elle t'embrasse, elle parle de notre père. Voilà, quand nous étions chez nous, comment on partait faire la pêche. Mais je vois le passé qu'elle raconte. Elle veut me remémorer tout ça pour que je me retrouve chez nous. Mais elle me regarde, elle m'embrasse avec toute l'affection. Ma petite sœur. Je dis merci beaucoup Yaya. Mais n'oublie pas, je suis grand-mère. Comment tu fais? Je dis, je fais ce que tu fais toi comme grand-mère. Elle dit, mais non, ici, il y a des gens qui aident les autres. On nous apprend que là-bas, personne ne pourra t'aider. Moi, je dis, eh oui, chacun pour soi, Dieu pour tous. Et j'ai grandi. Ah, oh, mais lui, elle, pardon, quand tu lui dis ça, oui, elle voit que j'ai grandi. Là, à l'intérieur, je suis encore petite. La petite, la, vraiment la dernière de la famille. Voyez, le passé, c'est bien, c'est un bon passé. Je n'ai pas dit que tous les passés, c'est mauvais. Non, il y a eu des passés glorieux. Mais les passés dont je parle ici, où nous devons quitter, c'est ces passés sombres qui traînent sur vous, qui vous traquent, qui vous poursuivent. Pendant que vous voulez avancer, le calme est derrière, n'avance pas. C'est de ces passés dont je parle. Proclame ça à haute voix. Christ m'a libéré. Christ m'a affranchi et je suis réellement libre. Laisse-moi avancer. Laisse-moi avancer. Christ a cloué le passé. Il a porté ça sur lui. C'est puisque nous n'ouvrons pas la bouche pour parler de ça, c'est pour cela que ça nous poursuit. Mais le jour où vous ouvrirez la bouche, parlez de votre passé, vous serez complètement libre. Libre. Vous n'avez pas eu de père. Dieu est votre père.
Vous n'avez pas eu de frères, Dieu vous a donné des frères. Vous n'avez pas eu de sœurs, Dieu vous a donné des sœurs. Vous n'avez pas eu de maman, Dieu vous a donné des mamans. Pas même une maman. Arrêtez. Moi, je suis, depuis mon enfance, qu'est-ce que Christ a fait? Aujourd'hui, je suis seule. Le pasteur Siméon est parti prêcher. Il y a consécration d'un pasteur à tourner. Il est parti là. Le pasteur MJ, en retraite avec une église. Le pasteur Francis, il est malade. Voilà, je me retrouve ici. Avec l'évangéliste. Alors, si vous avez quelque chose qui traîne en vous, ce passé-là qui vous cloue, eh bien, venez nous voir. Aujourd'hui, vous devez être libérés. Dieu n'a pas envoyé sa parole en vain. C'est puisqu'il veut nous amener ailleurs. Il veut nous amener plus loin, que personne ne traîne son passé. Venez nous parler. Nous n'allons pas proclamer votre passé. Nous allons prier pour que vous soyez libérés. 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 Qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait mal? Je continue. Ne laissez pas le passé empoisonner votre avenir. Si vous ne vous rendez pas compte, à cause de ce que vous ruminez, votre avenir, c'est vraiment foutu. J'ai vécu ça. J'ai vécu ici, oui, c'était un tremplin. Pour monter, pour bien sauter, il fallait passer par là. Puisque Christ, il n'était pas là, paf, on l'a arrêté, pouf, le voilà ressuscité. Mais non, il est mort. Il fallait qu'il passe par là pour prendre tes péchés. Et il les a enterrés, tout d'abord cloués à la croix et il est mort. Quand il est ressuscité, ce n'était pas avec le même corps, on nous dit un corps glorieux. Alors si tu es en Christ, quand tu l'as reçu, tu ne dois pas être le même. C'est une personne transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Et je parle de la nouvelle naissance. Transformée. Seule la communion profonde avec notre Seigneur, en tout cas, la seule qui pourrait significativement nous libérer d'un véritable passé douloureux, cette communion avec le Seigneur. Pas d'effort personnel. Je vais faire ça, je vais faire ci. On ne réussit pas. Tant qu'on n'a pas une communion avec Dieu, nous devons avoir une communion profonde, profonde. Rechercher la face de Dieu. Creusez les Écritures, méditez, priez, jeûnez. La communion avec le Seigneur va nous libérer de ce passé. Être esclave d'un passé douloureux, c'est comme... Vous êtes esclave de ce passé-là. Alors vous êtes comme quelqu'un qui est en train de conduire. Regardez-moi, vous conduisez. Mais vous tenez le volant. Regardez ce que le passé fait. À un moment donné, mais là, vous êtes en train de conduire et vous regardez encore en arrière. Ah, vraiment, ce que j'avais vécu. Quand, pendant que vous faites ça, vous êtes au volant. Vous ne regardez pas devant. Bon, les conséquences. Le chauffeur, vous savez? Oui. Accident. Vous vous êtes cogné. Parce que vous avez regardé en arrière. Il faut regarder devant. Il faut regarder la croix de Christ. Il faut regarder le Seigneur devant. Peu importe ce que vous vivez. Peu importe ce que vous avez connu hier. Peu importe ce que vous avez connu la semaine passée. Regardez Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Quand vous vous retournez, vous allez vous cogner.
Attention, ne soyez pas esclaves. Nous devons regarder au Seigneur. Bien-aimés, s'il est temps, vous savez, dans la grammaire française, j'ai trouvé qu'il y a cette partie-là qu'on appelle la conjugaison. Oh, vous connaissez ça? Est-ce que quelqu'un peut me donner les temps qu'il y a, si vous connaissez cette partie-là qu'on appelle conjugaison? Quels sont les temps? Présent, passé, futur, plus que parfait, conditionnel. Hein? Alors, hey, voyez, quand je vous dis que la Bible est complète, la Bible est tellement complète, et que le monde a tiré les choses de la Bible, eh bien c'est la Bible qui parle du passé, il parle de présent, et il parle de ton futur. Voilà, vous pouviez même acclamer. Hé, hey, quel peuple! Hé! Hey. Oh là là! Oh là 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 là, ces gens, c'est comme si vous me regardez, je suis tombé du ciel, mais je suis toujours moi. Acclamez le Seigneur, notre Dieu est intelligent, notre Dieu est sage. Les Français vont vous dire, le temps présent, mais ça y est dans la Bible. Je suis. Oh, oh. Ne dites pas que j'étais. C'est dans la Bible. Mais puisque les Français ont dit ça, ah, il y a les verbes au présent, il y a les verbes au passé, il y a les verbes au futur. Mais Dieu te dit, ton avenir, ce n'est pas aujourd'hui l'avenir, c'est le futur. Dieu dit quoi? Ton avenir est entre mes mains. Alors nous pouvons conjuguer ces verbes en tant que chrétien. J'étais, je suis et je serai. Ça y est dans la Bible, non? Moi j'aime Dieu. Je vais vous pousser à aimer Dieu. Le seul sage, intelligent, avant que le monde soit. Il savait qu'il doit y avoir un passé, un présent et un futur. Et les Français s'inspirent de ça. Et ils vous écrivent des bécherelles, de ceci, de cela. Et vous courez, vraies bécherelles. Ça y est là. C'est là. Et nous devons être fiers de notre Dieu qui connaissait d'avance tout ce que les Français pouvaient mettre par écrit. Amen. Hein? C'est pour vous réveiller puisque vous dormez un tout petit peu et je vais terminer. Je vais terminer. Je vous disais ceci, il y a ces temps-là dans la grammaire française. Alors maintenant je vous dis ceci. Si le temps, au pluriel, ont amené la honte, puisqu'on parle, nous étions errants. Nous ne connaissions pas Dieu. Si les temps ont apporté la honte, si tu as vécu des choses honteuses, alors c'est le passé. S'il a apporté la honte, mais les temps qui arrivent là, les temps qui arrivent vont amener la gloire. Quelqu'un peut dire amen, hein? Regardez ces Bartimée, regardez Lévi assis à la table pour récolter les impôts. Et quand les disciples le voient, mais Seigneur, mais comment tu peux manger avec un tel voleur? Mais lui en qui il n'y a pas acception de personne. Il dit, aujourd'hui, je vais manger chez lui. Je serai chez lui. Bartimée mendiant. Il était toujours là. Vous ne voyez pas, hein? C'est qui celui-là qui passe? Toujours tendre la main. Mendiant. Mais alors, quand le Seigneur le rencontre, les mendiants, suivez-moi très bien. Le mendiant est devenu un employé. Ah, vous savez quel travail il faisait? D'aller prêcher l'évangile.
Cet homme-là, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. C'est celui-là que vous voyez. Son nom, c'est Jésus. C'est cet homme-là qui m'a ouvert les yeux. Le mendiant, la mendicité est finie. Peut-être que vous fûtes... Aïe, 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 aïe. Vous étiez peut-être un mendiant. Toujours. Mendier, l'amour. Mendier, l'argent, mendier, ceci. Mais aujourd'hui, cela prend fin au nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes plus mendiant. Même de l'amour de Dieu, vous bénéficiez de l'amour de Dieu. Vous n'êtes pas des mendiants de l'amour de Dieu. Il répand son amour sur ses enfants, puisqu'il les aime. Regardez ce statut de Bartimée. Regardez ce statut de la femme qui avait la perte de sang. Regardez le statut de femme qui n'accouchait pas. Comment Dieu les a transformés. Leur honte est finie. Maintenant, ils sont devenus importants dans la société. Alors, nous pouvons dire Amen. Amen. La honte du passé. Christ a pris cela. Et maintenant, je peux marcher en nouveauté de vie. Ce qu'il a fait de moi. En tout cas, je ne sais comment vous dire. Le passé a apporté la honte, mais le présent apporte la gloire. Ne vivez pas dans le passé. Laissez les erreurs du passé derrière vous. Avancez sûrement avec Christ. Je ne dis pas seul. Il y a des gens qui font des choses à leur tête. Ils trouvent des choses. Ah, je vais faire ça. Ça ne va pas réussir. Que tu fasses des études, que tu fasses une entreprise, que tu fasses quoi? Que tu cherches une dame à marier. Fais ça dans le Seigneur. Sinon, vous reviendrez ici pour que nous puissions être... Nous allons toujours intercéder. Seigneur, aide cette famille. Vous commencez aujourd'hui, dans 6 mois, il n'y a plus de mariage. C'est parce que vous avez fait des choses à votre tête. Et les jeunes, vous m'écoutez d'ailleurs. Moi, je vous parle. Hein. Choisissez votre partenaire selon le Seigneur. Sinon, vous allez toujours pleurer. Je passe. Je disais, nous avançons sûrement avec le Seigneur. Ne traînez pas sur le passé. Alors, je vais vous lire ce verset de Ésaïe 43. Ésaïe. Et vous les connaissez très, très bien. Et j'aime ça. Chaque semaine, je les lis. Chaque semaine. Ésaïe 43. Et c'est le verset 18. Je peux aller même jusqu'à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Il y a d'autres qui parlent des choses passées. Ne pensez plus aux événements passés. Ne les considérez pas. Puisque nous sommes en Christ, le passé est passé. Ne les considérez plus. Que ce qui était ancien reste ancien. Il ne faut pas donner de la valeur à ce qui était ancien. Voici, dit le Seigneur, oracle de l'Éternel. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Donc là où ça chauffe, Dieu va tracer un chemin. Il tracera un chemin et il prend l'engagement. Moi, Dieu, puisque tu comptes sur moi, ne pense pas à ton passé. Ne pense plus aux événements passés. J'ai échoué quand j'ai fait ma 6e. Je n'avance pas dans mes études, puisque je n'ai pas terminé ma 6e, puisque je n'ai pas terminé l'université. Et il te dit aujourd'hui, ne pense pas à ces événements passés. Lui, il est prêt à tracer un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Il veut le tracer. Et cette... Maman Mounoué, la Bible, elle est vraiment bien. Ce nouveau chemin, cette nouvelle chose, elle est au point d'arriver.
pour dire que dans le plan de Dieu, cela travaille déjà. Il reste seulement que ça soit visible dans le monde des humains. Mais chez lui, c'est déjà en action. Et ça va descendre et vous le verrez. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Wow! Vous êtes seul dans le désert, dans la solitude. Là, vous êtes seul. Moi, je pense que le Seigneur ne m'aime pas. Et lui, il dit, je vais mettre des fleuves. Vous savez, les fleuves, ça coule. Les bénédictions dans les déserts. Puisque vous vous fiez au Seigneur, puisque vous avez confiance en lui, lui, il envoie les fleuves. Les fleuves vont couler. Il va t'arroser. Il va t'arroser. Ce qui était sec, vous allez traverser l'oasis. N'aie pas honte de ton passé. Puisque Dieu te préparait un avenir meilleur. Il faut un passé pour qu'il y ait un présent. Il faut aussi le présent pour qu'il y ait le futur. On ne doit pas traîner dans le passé. Ne pensez plus aux événements passés. Si le temps peut amener la honte, le temps peut aussi amener la gloire. Le temps peut aussi amener la gloire. Et nous devons mettre ça dans notre tête. Vous savez, cet homme qui était debout dans Acte 3. Oui, vous pouvez voir ça, les versets 1 à 3. Il était toujours là, devant le temple. Lui aussi, il mentit. Mais quand Pierre a dit, nous n'avons ni or dans le temps, il fut un boiteux, mendiant, au présent, avec les apôtres, nous n'avons ni or, ni argent, mais au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le présent transforme les choses. Le présent change les choses. Vivons au présent. Vivons au présent. Il ne fut plus boiteux. Il ne fut plus mendiant. Je pense qu'il est même cherché du travail chez qui? C'est quelle société encore? Bon, je veux dire seulement les trois filles, Binopé. Donnez-moi le nom des sociétés. Baisse, merci. Eux aussi sont méchants. Même Proximus. Il est parti chercher du travail là-bas. C'est lui qui mendiait, puisque Dieu a changé son statut. Moi, je passe. Dieu est le réparateur des brèches. Ésaïe 58, 12. Laisse-le te restaurer. Le réparateur des brèches, là où ça n'a pas tenu dans le passé. Lui, il veut tracer un nouveau chemin. Il veut t'amener ailleurs. Il veut t'amener pour que tu montes et que ceux qui te regardent disent que réellement, cette femme est une enfant de Dieu. Réellement, cet homme est un enfant de Dieu. Pourquoi? Puisque Dieu a pris l'engagement de changer, de transformer ta destinée. Ceux qui sont contre toi, Dieu s'élève, il combat pour toi. Et alors, toi, tu avances. Samba, j'aime cette chanson. Je chante ça celle dans ma chambre. Et bébé les bango, bango na naga. Et bébé les bango, yes à côté les cambo naga. Et bébé les bango, bango na naga. Basambwe. Ils sont déçus. Ils sont déçus. Le diable, c'est lui qui te cloue toujours dans ton passé. Il doit être déçu puisque Jésus-Christ prend ta vie en main, ta destinée en main et veut la transformer. Je vais m'arrêter. Non, si je continue, je vais parler jusqu'à ce que le
Et pasteur Simeon entre dans le temple. Je vais m'arrêter. Oui. Réparateur de brèches. Dieu est le réparateur de brèches. Je ne vais pas chanter. Je vais arrêter de chanter. Parce que je prévis une chanson. Le passé est passé. Vous savez, les enfants ici, ils viennent de chanter une chanson. J'ai mis ça, le vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Mais avant ça, je voudrais vous dire ceci. Vous qui traînez dans le passé, Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Isaac. Dieu n'est pas seulement le Dieu de Jacob. Il est aussi ton Dieu. S'il a sorti Israël de la servitude, aujourd'hui, il veut te sortir de ton passé. Ce n'est pas seulement Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Non, mon Dieu. C'est pour cela que quand vous chantez là, Dieu de... Moi, je dis... Ouais, souviens souvent ma bouche, vous allez voir. Je mets toujours le... Mon Dieu. Pas seulement le Dieu d'Abraham. Oui, c'est notre ancêtre. Concentre-toi sur ton futur. Oublie les passés. Je reprends Ésaïe 43, 19. Ne pensez plus aux événements passés. Concentre-toi sur le présent. Ne regarde pas la foule. Comme Bartimée, tu vas où, Bartimée? On voulait l'arrêter. Laissez-moi, il a même jeté son manteau pour obtenir le salut. Pourquoi avez-vous honte de la foule? Hein? Comme ils sont là, je pense que les jeunes sont tellement bien formés. Si je leur parle, j'essaierai vraiment. Bon, je ne sais pas comment ils vont calculer mon français. En fait, le français n'est pas votre langue. Je vous dis ça, hein? Ce n'est pas votre langue. Les anglophones, quand ils parlent le français, personne ne les corrige. Mais dès que vous parlez le français, c'est tout le monde qui vous corrige. Dites, je m'en fous. Ce n'est pas un verset biblique. Que vous mettiez là où il doit y avoir le. Bon, parlez bien le français. Je refuse la honte. En fait, je parle de la honte. Je ne saurais pas, puisque les jeunes sont tellement bien formés. Vous savez, j'ai dit à mon mari, monsieur le pasteur, vous avez acheté un téléphone. Nous deux, nous sommes ici, on est en train de regarder ça. Comment on va faire? La vieillesse. J'ai dit, appelle ma Jacques. Moi, je n'ai pas honte. Je lui ai dit, mon vieux, nous allons rester ici 2 mois. Appelle Maïcha. Il viendra travailler tout pour toi ici. Il va te dire, papy, ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Et puis tu auras ton téléphone dans ta voiture. Il me dit, mais en fait, c'est vrai. Et depuis que tu as acheté ça, ça fait 1 mois. C'est, moi, je n'ai pas honte. J'ai déjà même demandé à mon fils, ici, Eden. Eden, ça c'est quoi notre maestro? Il dit, maman, il faut faire ça. Hein? Mais je ne connais rien de ça, rien. Quand il y a Elio, parle. Maman, il faut dire, il dit, Elio, je n'ai rien, puis j'ai rien compris. Doucement, je dois taper où? Il ne faut pas l'appeler au loin pour qu'il t'explique. Maman, quand tu entres dans ça, je dis, oui, mais ça, c'est quoi? Là où tu me dis, quand j'entre dans ça, je ne connais pas. Jusqu'à ce qu'il va arriver à la maison, je n'ai pas honte. Vous avez honte des enfants, mais ce sont nos enfants. Et s'ils connaissent des choses plus que nous, mais quelle est ma joie? Elle est profonde. Je suis riche, puisque mes enfants connaissent les choses. Et je prie pour eux, qu'ils soient des Bethsaïdes, qu'ils soient des Oliab, qu'ils aient la connaissance que Dieu donne, afin que notre assemblée aille de l'avant. Amen. N'ayez pas honte des jeunes. Non, je ne peux pas parler. Vous avez entendu, papy a un téléphone.
il doit connecter ça à sa voiture. Venez l'aider. Connecter son téléphone à la voiture. Hein? Non. Prêtez la honte. Je termine. Je termine. Si vous ne voulez pas avoir honte de votre passé, voilà quelques conseils. Soyez conscient de votre valeur. De Corinthiens 5, 17. Vous êtes une nouvelle créature. Soyez conscient. Ephésiens 3, 7 à 11. Lisez ça, pardon. Si je lis, ça sera plus encore. Deuxièmement, vivez. De Corinthiens 5, 17. Philippiens, pardon, pas Ephésiens, puisque j'ai lu Ephésiens. Philippiens 3. Donc, je laisse derrière moi tout ce qui est beau et j'avance, je vise ce qui est meilleur. C'est comme ça que nous devons être la valeur. Philippiens 3, les versets 7 à 11. Deuxième chose, vivez les moments présents. Apprenez à vous apprécier que vous êtes une créature merveilleuse. Vous n'allez pas penser au passé. Faites de nouvelles expériences. Si vous étiez une femme remplie de honte, un homme rempli de honte, alors devenez un inspirant. Ne restez pas là toujours. J'ai honte de faire ça. J'ai honte de faire ci. C'est l'ennemi. Moi, j'avance. Vous pouvez lire Romains 12. C'est l'hymne pour vous. 1 à 2. Le passé est un temps de souvenirs pour ne pas reproduire la même chose. Passé. Ce qui s'est passé dans le passé doit être des souvenirs pour que vous ne reproduisez pas la même chose dans le présent. Alors le présent est le temps de l'action. Il faut agir maintenant. Maintenant, travaillez. Et vous les entrepreneurs, je vous pousse à aller de l'avant. Allez-y, vous les étudiants, allez-y. Quand il faut étudier, ne prenez pas l'ordinateur, le téléphone. Ça vous distrait. Concentrez-vous. Puisque nous avons des choses à gagner dans ce monde, nous devons mettre le diable à genoux. Ne dites pas que Dieu n'agit pas. C'est puisque vous prenez votre téléphone à la place des cahiers. Au lieu de prendre les notes, vous prenez le téléphone. Et le temps passe. Et c'est l'échec. Le présent, temps de l'action. Et le futur est le temps des projets. Ayez des ambitions. Ayez des rêves. Je pense que je vais créer une crèche. Moi, je prie toujours pour que cette maison ici, ça c'est mon rêve. Vous voyez la maison ici, 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 ces murs-ci, il y a une maison. J'ai toujours pensé qu'un jour qu'on achète ça et nous allons mettre des chambres. Quand les gens viennent, ils vont passer la nuit là-bas et nous sommes payés. Personne ne dit amen. J'ai toujours pas cette maison. Je n'arrête de parler à mon mari. Tu vois cette maison? Nous devons acheter ça. Mettre des chambres. Nous allons acheter des machines, des draps, des scies, des chambres, des passages là. Venez, il y a quelqu'un de l'église qui travaille à l'accueil. Il y a un autre, un comptable. Il y a celui qui fait ça. Il faut avoir des rêves. Il faut oser dans la vie. Il ne faut pas travailler dans les pays. Ici, la maison est là. Maintenant, je dis ça ouvertement. Comme ça, quand vous venez prier, nous allons prendre cette main. Nous allons acheter ça. Nous allons acheter ça. Nous allons acheter ça. Et un jour, notre rêve, que je sois là, que je ne sois pas là, ça sera accompli. Et que vous avez fait de cette maison ici, guest house. Mais n'osez pas mettre la nourriture, vous allez vous ruiner.
Ils passent la nuit, ils partent. Vous leur donnez un déjeuner. Chut, allez manger dehors. Seulement dormir ici. Et très bien, bien construit. Quand on entre, on sent que Jésus-Christ est là. Parce qu'il n'aime pas la saleté, la propreté. Et on voit que ce sont les enfants de Dieu qui tiennent ça. L'honnêteté. Il ne faut pas que la caisse tombe. Monsieur qu'on a mis à la comptabilité, prendre l'argent. Et je passe. Je conclue en vous disant ceci avec les textes de 1 Jean, chapitre 5, les versets 4 à 5. 1 Jean 5, versets 4 à 5. Je termine. Oncle, monte, dis-leur. Dis-leur comment ils doivent laisser leur passé. Monte et viens interpréter un chant. Dis-leur comment ils vont faire. Alors, il nous dit ceci, les versets 4 à 5. Je commence au verset 4, je cherche. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est fils de Dieu? Et c'est nous qui triomphons. Alors si je peux me résumer dans ça, l'une des réalités fondamentales du salut en Christ, puisque tu as été sauvé, tu as été sauvé. Écoutez-moi, cette réalité, c'est laquelle? C'est que Christ, il transforme un perdant en gagnant. C'est lui qui le fait, par les moyens de la foi. Transforme un perdant en gagnant. Il transforme une victime en vainqueur. C'est ça qu'ils ont chanté. Oui, plus que vainqueur, nous sommes des héritiers du royaume. Et si vous n'êtes pas dans le royaume, comment vous allez recevoir les choses de Dieu? Christ fait de nous des vainqueurs. Nous n'avons pas honte de notre passé, puisqu'il fait de nous des vainqueurs. Je vais terminer pour que vous puissiez chanter. Nous sommes détenteurs d'une nouvelle vie, détenteurs d'une nouvelle nature. Ne vivez pas au passé. Nous avons le potentiel de vivre un nouveau style de vie. Vous n'êtes pas obligé de vivre dans le passé, toujours de sombrer dans l'alcool, toujours de sombrer dans l'adultère, toujours de sombrer dans le mensonge. Non, Christ nous a donné ce potentiel de vivre un nouveau style de vie, de prendre une nouvelle vie. Alors lève-toi! Lève-toi et laisse ton passé en arrière, avance, concentre-toi sur le présent et ton futur. Demande le secours à l'Éternel. Nous sommes des vainqueurs. Lui, il a tout pris sur la croix. Et nous sommes même plus que vainqueurs, nous dit sa parole. Alors dites-leur, c'est quoi le passé? J'ai décidé de ne plus reculer. Jésus est venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel beau moment
ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, 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 yeah. Décide-toi d'avancer. Votre parcours, là où c'était sec,
vous voyez que vraiment ça patine, il n'y a pas de solution, il a dit lui va tracer un nouveau chemin. Et ici, nous mettons notre foi en action. Ce ne sont pas des slogans, c'est la foi. L'aveugle a cru en Christ et voilà, Dieu lui a recouvré la vue. Le mendiant, il a cru et voilà, il n'était plus mendiant. Il va faire, il va tracer un nouveau chemin. Chasser les doutes, chasser la honte, chasser la peur. Vous tous qui êtes debout, je vous invite à avoir cette foi profonde que Dieu va changer, 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 changer votre passé et que les gens ne se souviennent plus de vous, qui se disent même ce n'est pas lui qui était devant la porte du temple. Comment ça s'est fait qu'il soit un employé chez ING? N'est-ce pas lui qui était toujours là, ne connaissant rien, et maintenant il lit. Il était analphabète et maintenant il lit bien, très très bien la Bible. Il est même parti à l'école, n'est-ce pas lui? Il fait toutes choses bonnes. C'est pas lui qui pleurait toujours et maintenant rempli de joie, rempli de joie, de paix, n'est-ce pas lui? Oui, c'est vrai, c'est lui. Puisque Dieu veut changer, changer, changer. Alors, merci beaucoup. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, puisque nous ne serons pas passés entre les chaises. Juste, nous allons prier pour vous un petit mot et vous retourner. Est-ce que vous pouvez venir devant, s'il vous plaît? Puisqu'il y a des endroits où c'est difficile de passer. Pouvez-vous avancer, s'il vous plaît? Avancez. Faites vite. Il me faut 5 minutes seulement. 5 minutes pour tout ça. 5 minutes. 5 minutes. Croyez, votre foi va vous sauver. C'est votre foi, pas moi. Moi, Dieu m'a envoyé pour vous parler. Je ne peux rien faire. Rien. Rien. C'est Dieu qui va agir en vous. Vraiment, j'ai aucune puissance. Aucune puissance. Aucune puissance. Que Dieu change votre situation, qu'elle soit matrimoniale ou quoi. Que Dieu change cela. Longtemps vous avez cherché quelqu'un et vous ne le trouvez pas. Que Dieu change votre situation, puisqu'il vous veut être accompagné. Quelquefois vous oubliez ça. Vous pleurez pour quelque chose, ça fait tant d'années. Aujourd'hui le Seigneur vous dit, moi je vais tracer un nouveau chemin. J'en appelle à votre foi, s'il vous plaît. J'en appelle à votre foi, s'il vous plaît. Votre foi. Votre foi. Papa Conte. T'es les mains. Redoutable que l'ennemi utilise pour garder certains enfants de Dieu dans leur passé, c'est la culpabilité. La culpabilité. C'est ce que l'ennemi utilise. L'ennemi est capable de vous rappeler votre passé, même après avoir écouté un tel message. Juste ici à la porte, juste à la porte ici, lorsque vous allez sortir, l'ennemi viendra vous rappeler votre passé. Quand Maman Déborah parlait du véhicule, là où j'étais assis, j'ai failli sursauter. Je me suis retrouvé dans un véhicule. Le Saint-Esprit me dit, même l'intelligence
des humains nous enseigne. Est-ce que ça ne vous dit rien? Pourquoi le pare-brise est plus grand que le rétroviseur? C'est pour que tu regardes devant. C'est pour que tu vois mieux devant. Ne regarde plus dans le passé. Le passé est vraiment passé. Si tu es conscient que tu es vraiment une nouvelle créature, lorsque l'ennemi viendra te rappeler ton passé, ne regarde pas ton passé. Si tu regardes ton passé, au fait, l'ennemi va encore te préparer à nouveau dans de nouvelles chutes, à rester toujours dans le passé. Le passé est vraiment passé. Je suis sûr que maman n'a pas beaucoup dormi. Je connais ce genre de message. Pour le recevoir, à moins que tu veux faire du copier-coller, mais pour que ce genre de message touche le cœur, le âme, il faut se priver de sommeil. Je ne dis pas des choses que je ne connais pas. Je sais, quand j'étais assis là-bas, je regardais maman, je sais, elle n'a pas dormi. Et tout ça juste pour recevoir ces messages. Alors décidez aujourd'hui que ton passé est vraiment passé. Ne reviens plus en arrière. Décide aujourd'hui, même après à la sortie de ces cultes, l'ennemi viendra te rappeler ton passé. Mais ne regarde plus en arrière, c'est fini. Ce message le Seigneur l'a donné pour toi qui es devant. Décide alors d'en finir avec ton passé. Si réellement tu reconnais que Jésus est vraiment mort pour ton passé, décide de ne plus regarder en arrière. Décide de ne plus jamais regarder en arrière. Avance. 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 Avance, 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 décide d'avancer, décide d'avancer. N'aie pas honte, n'aie pas honte, la honte vient de l'ennemi. N'aie pas honte, s'il te plaît, avance, décide, décide. Nous ne voulons plus te revoir ici lorsque de tels messages, Dieu va encore redonner ces tels messages. Nous ne voulons plus te voir ici. Décide, cela dépend de toi. Tout simplement de toi. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Décide d'avancer. Décide d'avancer. Nous allons prier pour vous. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est avec nous. Il est avec nous. Nous allons prier pour vous. Mais croyez que c'est le Seigneur qui vous a envoyé ces messages. Car il envoya sa parole et la parole le guérit. Et croyez que cette parole vous libère aujourd'hui. C'est fini, ne regardez plus derrière. Ne regardez plus derrière. Nous allons prier.
change toutes choses, vie, tu changes toutes choses. Avancer.
sont parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Je t'adore, tu es là, Jésus, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Que tu es, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, tu ferais un chemin, opères des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, c'est toi. Opères des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais, tu ferais, tu ferais. Opères des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, oh Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là. Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Jésus. Opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Opère des miracles, Jésus. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Jésus. Tu ferais un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es.
gloire à toi, Seigneur. J'ai connu des amis, des potes peut-être. S'ils étaient mes amis, je vous assure, je ne parlerai pas d'eux au passé. J'ai connu une famille qui m'a aidé à rester droit. Et j'ai connu des gens, par contre, qui, eux, ont voulu me voir plus bas. Et bien entendu, mon gars, de ceux-là, je ne fais aucun débat. Car qui peut se vanter d'avoir trahi sa conscience pour quelques pas? J'ai connu des frères qui m'ont soutenu en temps de froid. C'était calcul sur calcul, alors moi, j'en ai presque perdu la foi. Dans les cours de récré, j'ai connu trop vite la haine. Car tendre la main, en fait, mon frère, n'en valait même plus la peine. Alors j'ai arrêté de croire et fini par faire comme Bruce Wayne. J'ai connu l'amour, un truc derrière lequel je courais. Et au final, c'était un océan dans lequel je me noyais. J'ai connu un semblant de réussite. Excité, je n'ai pas pu l'éviter. Si tu rates cette marche, ta tristesse est courageuse. Trop peu timide, je te garantis, mon ami, sans attendre ton avis, elle s'invite. J'ai connu un ami avec une vie qui s'invente. Pleurer la nuit, rire le jour, de ses mensonges, il se vante. Dommage, cette histoire est celle que j'aimais auparavant. Seulement ce soir, elle ne se finira pas sur mon divan. Au final, personne ne peut amener la paix. Et pourtant, j'ai rencontré un homme qui, voyant mon aspect, a déclaré une parole qui fut largement suffisante. Et depuis lors, c'est à lui que je donne tout mon respect. Pour retrouver ta valeur, il n'y a que Jésus. Pour redonner un sens à ta vie, il n'y a que Jésus. Donnez-moi un livre et je vous dirai qui je suis. Donnez-moi un sourire et vous comprendrez qui je suis. Parfois, il en faut peu pour que nous soyons les meilleurs. La vie sur terre est dure, normale, elle vient d'ailleurs. En osmose avec les éléments, je suis ancré dans du ciment. Pas prêt à lâcher Christ pour des milliers de diamants. La délivrance est arrivée, enfant de Dieu. Sèche tes larmes, tu as beaucoup trop pleuré. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta bonté dans nos vies. Tu nous délivres, Seigneur, de nos forteresses, de nos prisons, parce que tu nous aimes. Tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus-Christ pour nous sauver. Oui, la délivrance est arrivée, enfant de Dieu. Oui, ta délivrance, Seigneur, est arrivée pour nous. Nos larmes sèchent dans ta présence. Et ce ne sont plus des larmes de tristesse, mais des larmes de joie que nous avons. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Notre Dieu, nous t'élevons, Seigneur. Tu es glorieux et très digne de louange. Et je t'appelle El Shaddai. Et je t'appelle Adonai. Oh, je t'appelle mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je t'appelle El Shaddai. Oui, je t'appelle Adonai. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu fais toutes choses à merveille, Seigneur. Tu fais toutes choses à merveille, Seigneur. Que ton nom soit loué pour toujours. Que ton nom soit loué pour toujours, Seigneur. Car nul n'est comparable à notre Dieu. Il est digne d'être honoré.
Seigneur, nous venons porter maintenant vers toi nos offrandes, nos dîmes, nos dons, Seigneur, nos actions de grâce. Nous venons, Seigneur, avec des danses et des louanges dans ta maison. Nous venons te célébrer, toi, le Dieu vivant, le seul, celui qui est assis sur le trône. Reçois ces offrandes, Seigneur. Reçois nos cœurs ouverts devant toi. Bénis, Seigneur, mes bien-aimés. Bénis mes frères, mes sœurs. Nous allons nous approcher de toi, Seigneur, et t'offrir ce que tu nous as donné. Bénis ces offrandes. Bénis ces paniers, Seigneur. Oui, d'abondants trésors dans ta maison. Car voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Je nous invite alors à apporter nos offrandes au Seigneur. Nous allons le faire dans la louange, avec des danses, avec des cris de joie. En tout cas, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie pour le Seigneur. Et nous allons danser ensemble. Je nous demande de nous mettre debout, tenir notre offrande. Et nous allons suivre alors les instructions du protocole qui vont nous diriger vers ces paniers. Bye.
toi, Seigneur. Amen. Moko